Dotée d'une superficie d'environ 23 000 km² et abritant près de 700 000 habitants, Djibouti est avant tout identifiée comme une terre d'accueil portuaire de nombreux militaires et comme un carrefour géostratégique du continent africain. Et pourtant, c'est un pays qui recèle bien d'autres facettes. Djibouti, c'est le visage d'une Afrique qui essaie de solliciter par de multiples procédés toutes les compétences pour pouvoir avancer encore plus. Tout ce que l'on peut apprécier comme attraction peut se retrouver concentré sur ce petit territoire. Les plaisirs de la mer, bien évidemment. Nous avons le désert avec des découvertes grandioses aussi. Nous avons une géologie active, mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est la grande richesse culturelle de la République de Djibouti. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, cette région était habitée. Des populations venues de l'Asie, de l'Europe, des noyaux de populations africaines, le tout se mélange et donne le type djiboutien actuel. Armé d'une volonté puissante de faire découvrir son pays et de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de son environnement, le gouvernement djiboutien a soutenu en novembre 2010 un événement exceptionnel sur son territoire, une chasse aux trésors sous-marines. C'est sur l'île de Moucha que l'action s'est déroulée, notamment sous la houlette d'un Français installé à Djibouti depuis de nombreuses années, Luc Poirier, directeur d'un centre de plongée sous-marine et partenaire clé de l'événement. La chasse au trésor, c'est un événement que je suis depuis quelques années, puisque je lis un petit peu toute la presse plongée, et donc c'est quelque chose que je voyais de loin un petit peu, et puis au fur et à mesure des années, je me suis dit pourquoi ne pas le faire sur l'île Moucha. L'endroit me paraissait propice à pouvoir organiser ce genre d'événement pour faire découvrir la structure, faire découvrir le pays, faire découvrir la destination de Djibouti, un petit peu, je pense, qui est très très méconnu au niveau du grand public. C'est donc sur la petite île semi-désertique située à l'entrée du golfe de Tadjoura qu'une centaine de touristes a débarqué. Plongeurs de tous horizons, parmi lesquels Franck Borde et Thibaut Vanek, acteurs de la série Plus belle la vie, et la chanteuse Natacha Saint-Pierre, marraine de l'opération. Cet événement, c'est depuis maintenant 20 ans un moyen pour les plongeurs passionnés de vivre une chasse au trésor comme pourraient le vivre de véritables chasseurs de trésors. Et pour les mettre dans les mêmes conditions que cette véritable recherche, un petit peu comme des Indiana Jones. Ce sont 15 équipes composées de 3 personnes et munies d'un scénario bien ficelé, d'un bateau et de blocs de plongée, qui se lancent avec excitation dans l'aventure et partent à la recherche du trésor d'Objectif Atlantide. Mais le trésor le plus convoité n'est peut-être pas celui que l'on imagine. L'idée est de les faire jouer, mais aussi d'amener les participants à découvrir et à aimer, à s'approprier des actions envers l'environnement, des actions durables si possible, qui servent à la fois aux participants et à la fois au gouvernement et aux pays traversés qui nous accueillent. Les participants vont laisser l'image d'une action touristique propre, tourner vers l'environnement. Si on veut aujourd'hui éduquer des gens en leur faisant simplement de l'éducation environnement, ça va les barber. Les gens, en jouant et en s'amusant, arrivent finalement, si on leur met des épreuves tournées vers l'environnement, arrivent à intégrer certaines choses de manière excessivement simple, et je pense qu'il en reste quelque chose tout le temps. On vise, un peu comme les autres, des points GPS. Alors certains qui ont été donnés dans le dossier de départ et puis d'autres qu'on s'invente. Habilement calculés. Voilà. En fait, on a une botte secrète pour calculer les points GPS et c'est la raison pour laquelle on est seul ici sur le site. Il y a une
partie de l'énigme qui font référence à des expériences scientifiques qui auraient eu lieu autour de l'île de Mocha dans les années 1800, qui viserait à déterminer l'influence des métaux sur la faune et la flore sous-marine. Du coup, ça, dans l'idée, ça peut éventuellement nous orienter vers un trésor constitué de métal. Et donc là, on est en train de suivre cette piste en se disant que même sans trouver d'indices posés vraiment par terre, on peut quand même poursuivre l'énigme après. Le scénario est en effet composé de plusieurs pistes permettant de remonter jusqu'au trésor. L'une d'entre elles a été spécialement conçue pour inciter les participants à observer minutieusement la faune et la flore rencontrées. On avait fait déjà une notion environnementale quand on avait fait les opérations nettoyage de la mer qu'on avait fait dans les premières chasses. Là, par contre, c'était un petit peu compliqué parce qu'on voulait faire une piste qui soit plutôt tournée vers l'environnement. Et donc là, on s'est associé un biologiste bien connu sur la place française, j'ai nommé Patrick Louisy, qui nous a bien aidé et qui nous a permis de faire une piste justement naturaliste. Chaque fois qu'on fait un dossier participant, on a toujours un petit côté où on dit attention, il y a des animaux qui peuvent être dangereux pour les plongeurs, mais on parle aussi des animaux qui sont sur place, de faire attention quand on ne pas marcher sur le corail, des choses comme ça. Et là, le côté où on mettait vraiment une piste où il fallait vraiment observer, ça c'est nouveau et c'est vraiment très très sympa et je pense que les participants ont bien aimé. Et pour celles et ceux qui décrochent de la chasse au trésor, le plaisir de la plongée et l'observation des fonds marins se poursuit autrement. On est sur le site de l'aquarium. Pour que moi je puisse savoir quel poisson vous avez effectivement vu, il me faut une photo sur laquelle le poisson soit identifiable. À vous de collecter le maximum de photos d'un maximum de poissons différents, bien sûr. Oui. Là où j'interviens, c'est sur la dimension études scientifiques que Daniel Meouchi a voulu associer à l'événement. C'est-à-dire qu'on travaille sur un recensement de poissons sur un des sites près de Moucha, qui s'appelle l'Aquarium, qui mérite bien son nom. Donc les participants vont faire des photos sur le site, me ramènent les photos. Donc tous les soirs, il y a un rendez-vous, on a la bibliothèque scientifique avec les livres de référence. Et avec ces photos-là, on monte une liste des espèces qui ont été rencontrées sur le site. C'est celui-là, non? Alors, c'est lui ou c'est pas lui? C'est lui, hein, le film. Oui, c'est Janus Casmira. Il a son copain, et il a son copain à côté, celui qui a le point noir derrière. On a déjà celui-là, par contre. J'étais pas sûr, et ben voilà, vous m'avez apporté la preuve. Tu vois, on a canardé l'aquarium. Il se sent utile. Ça a aussi un rôle important pour le gouvernement de Djibouti, puisque ses résultats scientifiques, on va les communiquer au ministère de l'Environnement et en tirer quelques petites conclusions et améliorer les connaissances de la faune de Djibouti. Après 4 jours et 3 nuits d'aventure, il reste un peu de temps aux participants pour profiter des curiosités naturelles du pays. Le lac Assal, par exemple, est une étendue d'eau située à 155 mètres en dessous du niveau de la mer et dont la teneur en sel lui confère une éblouissante blancheur. L'environnement de Djibouti, c'est probablement une grande, sinon la grande richesse du pays en liaison avec le tourisme. C'est-à-dire que ce soit les zones désertiques, semi-désertiques, les forêts ou l'environnement sous-marin, qui est très riche, alors à la fois au niveau diversité d'espèces, mais aussi en quantité. Il y a vraiment une productivité extraordinaire, c'est pour ça que les eaux ne sont pas toujours très claires. Donc cet environnement très riche, c'est un gros potentiel pour le tourisme sous-marin, avec à la fois les récifs de corail et puis, on sait bien, les requins-baleines qui viennent pendant plusieurs mois par an pour se nourrir justement dans ces eaux riches. Donc là, il y a, je crois, un travail pour exploiter cette ressource
tout en la préservant. En marge de la chasse au trésor, les deux fervents défenseurs de la mer que sont Natacha Saint-Pierre et Albert Falco n'ont pas manqué d'aller nager avec l'un des poissons les plus imposants au monde. Tu peux y aller, tu peux y aller. Tu l'auras de face, là, je suis juste en face de toi, juste en face. Le requin-baleine représente justement l'un des trésors de Djibouti et émerveille toujours autant l'ancien acolyte du commandant Cousteau. En 1954, ça a été mon premier requin-baleine, c'était en plein océan Indien. Nous avons appris que ces animaux, même géants, n'étaient pas du tout redoutables pour l'homme. J'ai eu la chance, il y a plus de 20 ans maintenant, de rencontrer Daniel. Il m'a proposé de vivre cette grande aventure d'Objectif Atlantide et tout de suite j'ai dit oui parce que j'ai compris qu'enfin c'était un événement où on n'allait plus parler de tuer des poissons ou autres comme la pêche sous-marine, on allait connaître la mer, visiter les merveilles que l'on peut trouver sur les fonds sous-marins et en plus intéresser les jeunes à connaître la mer. L'animal figure malheureusement sur la liste des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. On a vu les requins-baleines ici, c'est magnifique et ce serait dommage de perdre toute cette richesse-là. Et exactement en ce moment, on est à un point tournant de l'histoire où il reste encore assez de réserves de poissons et de requins pour que l'espèce puisse se remettre à survivre si on y fait attention et si on l'aide, ou peut carrément disparaître si on ne fait rien. Donc notre génération, notre époque est vraiment très importante et ce serait dommage de ne pas faire passer le message et de ne pas être sensibilisé par tout ça. J'ai compris que la seule chose pour les futures générations, en ce qui concerne les poissons, c'est de créer des réserves marines. Par exemple, dans le monde, il y a à peu près 0,1% de réserves marines. Et pour avoir l'équilibre de la pêche, il faudrait avoir 20%. Nous sommes loin d'avoir ça. Mais de partout où ça a été fait, c'est une réussite totale. Là, j'arrive un peu à la fin de mes jours, donc la mer m'a tellement rapporté toute ma vie que j'ai envie de faire des choses pour elle. Alors c'est bien de parler, mais on ne touche que 2-3 personnes. Et un peu dans le sillage du commandant Cousteau, j'ai compris que grâce à des films, on peut toucher beaucoup plus de monde. C'est important de faire des choses pour la mer. Et que quand on fait des choses pour la mer, bien souvent, elle le rend 2-3 fois plus que ce qu'elle est. C'est dans cet état d'esprit que le gouvernement et les acteurs locaux ont conjointement impulsé la formation de Djiboutiens au monitorat de plongée sous-marine. Une façon d'allier les ressources naturelles d'un pays avec son potentiel humain et de s'inscrire ainsi pleinement dans la notion de développement durable. Au moment où la chasse au trésor prend fin, la question des richesses naturelles à préserver ne fait que commencer. Djibouti avance sur ce chemin et Objectif Atlantide aura, le temps d'une aventure, permis de mettre en lumière tout un patrimoine fragile mais exceptionnel. Un patrimoine composé avant tout d'hommes et de femmes, particulièrement accueillants et généreux, et qui ne peuvent être dissociés de la beauté du pays et de ses fonds marins. Quant à la mer, au cœur de cet événement, elle reste un milieu sensible dont l'exploration mérite d'être poursuivie avec le plus grand respect, si l'on veut y dénicher des trésors qui n'ont guère de lien avec quelque fiction que ce soit.